Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, vous le voyez, je suis ici dans les Landes, dans le cadre du salon Fort Expo qui s'est tenu cette semaine. Alors, tout se prépare. Vous allez pouvoir découvrir des matériels forestiers. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hey, vous voyez tous ces arbres? Eh bien, ils sont en train de flipper leur race. Pourquoi? Parce que juste à leurs pieds se déroule une boucherie digne de massacre à tronçonneuse, le salon Fort Expo 2016. Lâchez-moi, s'il vous plaît. C'est donc en plein cœur du superbe salon Fort Expo qu'on vous a trouvé du John Deere, du Komatsu et du Valtra. Et quoi d'autre dans ce numéro déjà? Ah oui, un coup de gueule d'un agriculteur du sud de la France, un point sur le marché belge du tracteur, sans oublier notre rubrique sécurité, vous verrez qu'il y a du neuf en Europe. Power Boost spécial Fort Expo 2016, c'est juste après les news. Top départ pour un épisode forestier qui sent bon la sève, les feuilles humides et la piste de renard en rut. Enjoy! Entre tempête et beau temps, 350 exposants ont participé cette semaine au salon DLG Feldhage en Allemagne. Alors que le Roux bat son plein en France, de nombreux pays européens se sont également réunis pendant 3 jours en Bavière. Bien sûr, les exposants allemands étaient de loin les plus nombreux. On s'est plongé pour vous au cœur de l'agronomie et des innovations agricoles. Les pieds dans la boue, on a exploré plus de 100 parcelles d'essai sur 14 hectares. Question innovation, le salon accueillait cette année de nombreuses entreprises de drones agricoles ainsi que de nouveaux la compétition étudiante de robots des champs. Et bien sûr, les visiteurs n'ont pas raté les impressionnantes démonstrations de matériel. Accrochez-vous, Yamaha livre une nouvelle version de son quad YXZ-1000R en version Sport Shift. Le modèle original sorti il y a un an impressionnait déjà, notamment avec son moteur 3 cylindres. Mais ce nouveau SSV innove avec une nouvelle boîte de vitesse pilotée par palette au volant de type course automobile. Le résultat, un temps de réponse encore amélioré au passage des rapports et une accélération que nous qualifierons de dantesque au démarrage. Prévu pour une sortie en France à l'automne 2016, son prix devrait être également supérieur au modèle de base, qui actuellement est commercialisé dans une tranche de prix entre 25 000 et 30 000 euros. Dynatouren propose une version du JCB 4220 Fast Track adaptée aux travaux forestiers bénéficiant des protections latérales avant et arrière à base d'acier. La cabine est totalement blindée pour plus de sécurité. On retrouvera à l'avant une lame et à l'arrière une arche de débuscage. Côté poids, il faut compter un équipement supplémentaire qui pèse de 2 à 3 tonnes. Selon le niveau d'équipement, ce matériel coûte de 30 000 à 150 000 euros. Plus de 500 agriculteurs ont pu découvrir du 3 au 5 juin la plateforme d'expérimentation de la coopérative Agora de Mouchy-le-Châtel, avec notamment l'implantation d'essais longue durée de semi-direct. Les nouvelles technologies appliquées à l'agriculture étaient également à l'honneur. Alors je vous ai trouvé une première mondiale. Thomas Richard, c'est vrai qu'on n'en voyait plus beaucoup des abatteuses à chenilles aux couleurs John Deere ici en France. Non, tout à fait. On a eu quand même pas mal d'années où ces machines étaient sur des moteurs d'ancienne génération, donc pas commercialisables en Europe. Donc effectivement, là maintenant, nous sommes équipés de moteurs Final Tier 4. Donc nous sommes à nouveau importés ici en Europe et en France. D'une puissance de 300 chevaux, je crois. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'on voit qu'on a quand même un matériel donc qui est important. Est-ce que vous pensez qu'il va trouver un marché en France? Oui, on parie énormément sur les matériels à chenilles parce qu'aujourd'hui il y a un réel défi en France de l'abattage mécanisé en zone de forte pente. Et on pense, nous chez John Deere, que ces abatteuses à chenilles sont vraiment une des solutions qui peuvent permettre d'aller chercher des bois dans des zones extrêmement difficiles. Thomas Richard, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a profité du fait qu'on était dans le sud-ouest pour aller voir un éleveur tout près d'Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous allez voir, il a un coup de gueule à pousser. Pierre Filassard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éleveur ici à Oloron-Sainte-Marie. Quel est votre coup de gueule? Mais si j'avais un coup de gueule à passer, oui, effectivement, ce serait de dire un peu à la société
que d'être éleveur aujourd'hui, de faire un produit qui soit bon et pas cher, de le faire tout seul, c'est pas possible. C'est pas possible parce que d'être éleveur, c'est réunir des compétences, c'est cumuler des compétences, d'être comptable, de savoir cultiver ses champs, de savoir faire une ration de vaches, de traire ses vaches, de les faire naître, de les inséminer. Et tout ça, une personne seule ne peut pas les assumer aussi bon qu'il soit. Donc, moi je pense que le modèle de l'agriculture doit prendre le courage de dire qu'il faut des exploitations plus grandes, qu'il faut cumuler les compétences par un nombre plus important de gens qui y travaillent dedans, et que la relation sur le plan social, sur le plan humain, c'est important aussi. Le bien-être animal, certes, on a fait beaucoup de choses jusque-là, mais on s'est peu préoccupé des éleveurs. Et ce qui me fait froid dans le dos, c'est de voir le nombre d'agriculteurs qui démissionnent, voire qui se suicident. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal parce que je trouve que l'exploitation n'est pas un lieu de rencontre, d'échange, comme ça devrait être dans tout l'artisanat, le commerce. Les gens savent cumuler les compétences. En agriculture, on stigmatise sur le fait qu'un agriculteur doit bosser seul. Et dans une petite exploitation. Oui, on aimerait que l'exploitation n'évolue pas, que le temps s'arrête sur le monde agricole et que la société n'accepte pas que l'agriculture aussi puisse évoluer. Mais si elle a évolué, et tous les agriculteurs de demain qui auront à faire un produit bon et qui soit toujours pas cher, eh bien, il sera fait par des agriculteurs qui seront compétents et cumuler leurs compétences sur tout un tas de domaines et arriver à vivre de leur métier, partager une passion, parce que c'est d'abord aussi un métier de passion. Et j'espère que l'agriculture saura évoluer dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais il n'y a pas que dans l'agriculture où on s'intéresse à moins compacter les sols, dans les travaux forestiers aussi. Irène Dubois, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous aviez une machine, une abatteuse 6 roues, vous la conservez, mais vous ajoutez aujourd'hui à votre gamme une machine 8 roues. Pourquoi ? C'est essentiellement pour les gens qui travaillent en forte pente, pour la stabilité, mais évidemment aussi pour le tassement du sol, pour avoir une meilleure répartition des charges. Est-ce qu'il est vrai que dans certains pays, je pense à l'Allemagne en particulier, on ne peut pas répondre à un appel d'offres si on n'a pas une machine 8 roues ? Oui, il y a effectivement des lenders aujourd'hui qui exigent des machines 8 roues dans leur terrain pour éviter le tassement de sol trop important. Et pour finir, quelques chiffres clés sur cette abatteuse. Donc ici, on a une machine disposant de 250 chevaux, 8 roues évidemment, et qui est prévue pour l'abattage des coupes finaux, mais évidemment, on peut aussi l'utiliser pour les premières éclaircies. Et côté prix ? On ne touche pas loin des 500 000 euros. Irène Dubois, merci beaucoup. Merci à vous. À présent, on va s'intéresser à la sécurité des matériels agricoles à l'échelle européenne. Quels sont les risques qui guettent les agriculteurs au volant de leur tracteur ? L'Association des constructeurs européens de machines agricoles a mis en place une norme européenne visant à harmoniser les rapports sur les accidents impliquant les tracteurs et autres moissonneuses-batteuses. L'objectif ? Parvenir à déterminer des faisceaux de causalité dans les différents accidents. Parmi les paramètres pris en compte, notant les caractéristiques matérielles du véhicule, son état ou encore son historique d'utilisation. Jusqu'à présent, le système de déclaration des accidents différait selon les pays européens, à la fois sur les modèles de rapport d'accident, mais aussi sur la terminologie utilisée. L'absence de données fiables et de comparaisons possibles entre ces informations freinait ainsi le développement des stratégies visant à réduire ces accidents. David Rhin, qu'est-ce qu'il faut pour passer d'un tracteur traditionnel à un tracteur forestier ? Bonjour Jean-Paul, eh bien, c'est très simple. Alors déjà à la base, un Valtra est typé forêt par ses origines finlandaises. Et ici, donc derrière moi, un N4. Alors, le plus visible, c'est la protection forestière. Ici, étant donné qu'on est dans le 33, on a une protection forestière Puentes. Après, des pneumatiques spécifiques pour pouvoir résister aux conditions extrêmes de la forêt. Et après, nous avons des options bien particulières chez Valtra, qui sont la cabine Skyview afin d'avoir une parfaite visibilité et aussi un poste inversé qu'on appelle le Twin Track pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et puis, une des nouveautés sur le salon, c'est que vous avez un accord avec Tesla.
Oui, effectivement, donc Kesla, ce sont nos amis finlandais, donc, qui sont constructeurs de remorques spécifiques forêt, bien entendu, et des grues. Et la particularité de cet accord, eh ben, en fait, c'est de pouvoir adapter donc, tous les accessoires Kesla sur nos tracteurs, et ce, directement dans notre studio Unlimited. C'est-à-dire que nous allons livrer un ensemble forestier tracteur plus Kesla. David, merci beaucoup. À présent, on va s'intéresser au marché des tracteurs en Belgique. Donc le marché des ventes de tracteurs en Belgique a diminué environnement à 20% dans l'année 2015. Mais si on fait le calcul sur une période de 10 ans, la vente a augmenté. Donc c'est pas du tout grand chose, c'est pas grave. Mais donc au niveau des chevaux, moyennement on arrive à 170 chevaux. Et ce qu'on voit, si on fait la comparaison dans le passé, on arrive maintenant à un tracteur avec une valeur plus élevée. Donc on achète plus de confort, plus de nouvelles choses comme le GPS, comme tout ça. Donc au niveau de la distribution, on voit le mouvement où les concessionnaires sont en train de racheter des petites concessions pour agrandir leur territoire et pour se préparer pour le futur. Si on regarde les tracteurs vendus, c'est de nouveau New Holland qui prend la première place. Franchement, elle est belle la forêt landaise. Alors c'est sur cette belle image que se termine notre émission Power Boost. Si vous voulez tout savoir sur le secteur du machinisme, il faut aller sur le site de notre média partenaire www.machinisme-actualité.com. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous informe que la semaine prochaine, nous allons nous intéresser au lycée agricole et vous verrez, nous allons tourner dans l'un d'entre eux. Je vous souhaite une excellente semaine.